Donc bonjour à tous, on va travailler pour cette nouvelle semaine un titre du groupe Agent Fresco qui s'appelle Halls, que vous pouvez retrouver du coup dans leur album Destrier. Voilà, donc c'est un super groupe que je vous conseille. Du coup là, première vidéo, je vais vous faire le début du titre, on va voir l'intro, le riff et le couplet. Voilà, et puis ensuite d'autres vidéos, on va faire un peu les éléments séparés, je vous montrerai les petites choses. Vous avez le PDF aussi, la partition qui va avec, où j'ai fait le relevé, ça pourra vous aider si vous avez des doutes. Et ensuite, donc là je vais le jouer. Attention, vous n'avez pas le son du titre, j'ai pas trouvé le moyen de faire la synchro. Vous allez entendre sur une batterie un peu rudimentaire, donc je ne fais pas tout ce qui est prévu, parce qu'il y a plein de cymbales dans ce titre-là. Je vous conseille de l'écouter avant, donc Agent Fresco Halls, d'aller l'écouter d'abord sur YouTube ou Spotify, Deezer, tout ça. Et ensuite, vous regardez la vidéo par exemple, vous faites dans l'ordre que vous voulez, mais je pense que c'est plus pertinent dans ce sens-là. Donc je vous la joue d'abord, c'est parti. Voilà, là vous avez les trois premières parties. C'est pas parfait, j'ai encore moi-même deux, trois petits trucs à travailler au niveau de la précision. Voilà, j'ai aussi fait le relevé il y a une semaine aussi. Fini le relevé il y a une semaine. Donc voilà, essayez de le bosser, ce truc-là. Là, il y a pas mal d'informations, il n'y a pas les mêmes sons en plus. Du coup, parce que vous avez différentes cymbales sur son jeu à lui, qui font vraiment en plus, qui créent vraiment une vraie dynamique de jeu. Et en plus, il utilise un André, le cerclage de la caisse claire. Moi, j'en ai pas avec, parce que j'utilise le pad. Vous pouvez vous décaler, on verra dans une autre vidéo qu'on décale un petit peu ce truc-là. On décale notre jeu sur le cerclage, donc ça aide un peu. Et voilà, ça vous donne des pistes, parce que c'est pas évident de déchiffrer tout ce qu'il fait à la batterie. Il y a deux, trois petits trucs un peu particuliers, surtout sur le premier couplet, c'est un peu spé. Mais c'est super bien écrit, justement. Dans l'autre vidéo, on va voir un petit peu comment c'est fichu. En fait, c'est hyper logique. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné déjà cette première vidéo des petites clés de compréhension. Et puis on en fait une deuxième où je vais vous parler un petit peu de tout ça. Voilà, et ben à tout de suite.